qui va être de type sympathique, hein. Sympathique, sympathique. Ouais, celui-là qui fait le plus de vues. Non, c'est l'autre. C'est celle-là qui fait le plus de... Ah, c'est celle-là qui fait le plus de vues. C'est celle-là qui fait le plus de vues. Incroyable. Je clique. Je clique. Et je vous montre. Alors pour l'instant, vous avez juste entendu Mika, donc vous êtes là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une émission française que j'ai regardée. Je n'ai aucune honte à le dire. Il me semble que ça passait à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, que j'ai regardée et qui a un niveau. C'était avant la télé-réalité. Ce que vous allez voir, c'est des images d'archives, hein, j'ai envie de dire. Ce look-là n'existe plus, du moins j'espère. Tellement vrai. Non, c'est pas ça. Le principe était le suivant. C'est un genre de speed dating où une personne va être amenée à rencontrer, je crois, 5 prétendants ou 5 prétendantes qui sont dans un bus. Voilà! Du coup, vous avez tous compris, vous êtes là. Next, next, next! C'est évidemment l'émission Next, Made in France, parce qu'il y a la version américaine. Ça passait sur la 17, exactement. Du coup, je suis tombée là-dessus l'autre jour et je me suis dit, oh putain, ça, je nous la garde pour une sortie d'âle. Donc, attention, mesdames et messieurs, les images qui vont suivre sont d'une violence sans nom. Hein. On va être à nouveau avec des looks d'une époque qu'on pensait disparue, avec des gens ringards et beaufs sur 20. Je vous annonce, hein, je vous annonce. Donc, eh bien, jolie petite entrée en matière, c'est parti. Déjà, c'est donc, je pense, le candidat, le séducteur, hein? Donc ça va être un mec pour 5 meufs, en toute vraisemblance. Salut, moi c'est Mickaël, j'ai 23 ans et je suis... C'est peut-être des mecs qu'on va accueillir en fait. Je suis pas sûre. On va... Oh non, pas Mickaël! Il y en a qui le connaissent, tu vois. Ah oui, les 2000 ne connaissent pas cette émission, c'est sûr. Bon, Mickaël, je suis de la muscu. Ça, c'était l'application avant Tinder, tu vois. Pompier. Oh, il est pompier! Alors, si une fille est chaude. Les pompiers ne font pas ça, monsieur. Je me ferai un plaisir. Ou alors, il est de chez les gymnastes. Tire de l'éteindre avec moi, lance. Si une fille est chaude, je les ferai un plaisir de les éteindre avec ma lance. J'ai un gros tuyau. Oui, c'est tellement beauf. Alors déjà, moi, un mec me dit ça, c'est désolé, c'est next. Next, monsieur, next, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourtant, il partait bien, il partait pompier, tu vois. Tu mets quelques points, même si c'est comment te dire? Les pompiers, j'en garde un souvenir de c'était que tard, tu vois. À mon avis, ce n'est pas un modèle de fidélité non plus, hein. Même si là, il veut te faire croire qu'il a un air pensif, il pense à sa dulcinée, à la future femme de sa vie, qui se cache peut-être là, comme un signe du destin parmi les nuages. Mais attention, je ne fie qu'il y ait de la conversation qui soit élancée et qui soit belle au réveil. Car... Ah, ça n'existe pas. Hein. Une fille belle au réveil, wesh, mais t'as cru qu'on dormait pas ou c'est comment? Non, parce que, en toute honnêteté. Tu n'es pas beau non plus au réveil, hein. On a tous des gros yeux. Bon, lui, les cheveux, il est pas emmerdé, mais nous, les filles, quand on a des cheveux, ils sont comme as. Hein? Moi, c'est Shakira au réveil, hein. Moi, mes cheveux, hein. Voilà. Avec des yeux un peu gonflés de fatigue. La marque délicate de l'oreiller, bien sûr. Et surtout, le très mauvais caractère dû au matin que je n'ai pas pris mon café encore. Voilà, ça, c'est Nao au réveil. Et en plus, la plupart des meufs que tu tronches, elles c'est des pots de peinture. Alors imagine leur gueule sans maquillage au réveil. Ou alors, la meuf qui s'est pas démaquillée et qui du coup au réveil va être comme ça. Hein, le truc. Il est hors de question que je me réveille à côté de Quasimodo. Sinon, c'est moi qui lui sonnerai les cloches avec un next. C'est moi qui lui sonnerai les cloches. Il a pas une voix très très virile. Et voici les filles. Salut. On a hâte de voir. Moi, c'est Cynthia, j'ai 20 ans, je suis coiffeuse. Ah.
Oh, la robe jaune et le maillot de bain. Les gens sont là. Ah, Dext. Ça se voit qu'elle est coiffeuse. Elle a la coiffure des coiffeuses. Genre, ils ont tout ça. Elle a l'air quand même d'avoir des bras un peu comme moi. Genre. Yes. Next. Elle a mangé le bus de l'émission. C'est une noire rousse. Ça, c'est si je fais une fille avec Dofla, elle aura cette gueule. Donc, autant éviter. Hein. Et si tu me vires, c'est pas que tes cheveux que je vais couper. Ouais, je sais pas faire le... Voilà, le type. C'était bien, hein. Salut, je m'appelle Aurel, j'ai 19 ans. Attends, on a fait un code vestimentaire aux meufs. Ouais, vous venez en robe bandeau, brassière, maillot de bain. Il y a une activité dans l'eau, on va les voir en maillot. C'est pas possible, elles sont toutes en maillot de bain. On va voir des meufs en maillot de bain. Celle-là, ça va encore, non? Si tu regardes du démon, les meilleures poses. Elle vient juste de se réveiller. Non, moi je trouve déjà mieux. En vrai, par rapport à celle d'avant, ça va. Prochaine est maintenant au chip. J'adore la danse. Et si tu veux que je fasse le grand écart, choisis-moi. Salut. Elle est plutôt élancée, ce qui n'est pas le cas de la candidate suivante. Bonjour Corinne. Êtes-vous enceinte? Moi c'est Corinne, 23 ans, je suis passionnée par les chats. Et si tu me laisses te caresser, tu pourras même peut-être ronronner. Salut, moi c'est... Oh, ouh là là, ah non, là, elle va être next tout de suite. Il n'a pas du tout décrit ce prototype. Elle a des boobs, hein. Ah là, il y a du matos, les gars. Lily, 20 ans, animatrice de sport. Avec moi, mon gars. Mais quoi, animatrice de sport? De quel sport? De l'haltérophilie? Hein? Je cherche le sport qui donne cette corpulence. On dirait qu'elle a 56 ans. Mais c'est peut-être... Les coiffures de l'époque nous vieillissent. Moi, c'est très marrant, hein, mais quand je regarde les photos de ma grand-mère quand elle avait 50 ans et quand elle en a 80, elle a exactement la même tête, elle n'a pas changé. Mais parce que déjà, à 50 ans, elle en faisait 80, en fait. Animatrice, ça veut dire qu'elle pratique, forcément? Je sais pas. Peut-être... Erreur 404, no sport food. Ah, sport de... Ah, vous êtes les pires. Rabiani blabla. Bonjour, moi c'est Coralie, j'ai 20 ans. Je suis passionnée de chant et musique. Ça, c'est les chants des liens 2000. Ouais, les faux ongles, les petits sourcils tout fins là, qu'on les voyait pas, que limite elles en avaient pas et qu'elles se les dessinaient. C'est exactement ça. 25 bits, bonjour Nathalie, femme au foyer. Ah, déjà un beau palmarès dans mon village. 45 ans, je sais plus quel âge elle avait, Nathalie. C'était la Chouin 2000. La Chouin 2000, on dirait une voiture. JPP. Donc j'espère que tu m'inspireras une belle chanson d'amour. Oh, je suis une fille romantique. Dans le bus, nos cinq sirènes chauffent leur voix, prêtes à tout pour charmer Michael. Il avait les mots. M'a rendu accro. C'était trop bien. Je me voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots. Une sacrée libido. Quoi, c'est pas des paroles? M'a rendu accro. Je ne savais pas. Ouais, il y en a deux qui chantent et les autres elles font. Hey, salut. Des sirènes. Elle est devenue folle. Je ne connaissais pas. Il avait les mots. Corinne est la première à se jeter à l'eau. Elle espère que Michael lui proposera un bain de minuit, mais les quatre autres filles pensent qu'elle va boire la tasse. Ouais, il faut faire de la natation synchronisée, je pense. Bon les filles, moi je vous laisse à votre petite discussion. Moi j'ai un beau gosse qui m'attend dehors, donc je reviens et puis à mon avis de toute façon... Ouh. Je cherche pas dans 2 secondes, t'es revenu. Viens dans 2 secondes, frère, t'es là. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, je suis désolée, c'est trop drôle. Oh, t'as vu la grosse répartie que j'ai eue? Je regarde les autres filles pour voir si elles ont kiffé ma répartie de l'espace.
Oh là là! Attention, mesdames et messieurs! Coralie, descend du bus! N'empêche, le chauffeur du bus de cette émission, il devait vraiment s'éclater, je pense. Je vois ça, j'appelle la SPA! Pourquoi elle fait ça? Là, elle s'apprête à faire un tchapsh sur le téton, on dirait. C'est un concept! C'est un concept! Mais évidemment qu'elle veut Ken! C'était le Tinder de 2000! Corinne a 23 ans. Corinne a 23 ans, elle... Oh, je peux faire la voix off. Elle adore se moquer des gens dans la rue. Elle adore se moquer des gens dans la rue. C'est une grosse fêtarde et elle n'aime pas ses fesses. Elle n'aime pas ses fesses. Mais du coup, elle poste des photos de ses fesses parce qu'elle les aime pas. Pour dire, oh là là, j'ai vraiment un cul de merde. Alors ce qui est drôle, c'est que forcément, le mec qui attend ou voit ça, qui descend du bus, qui fait est-ce que je te plais? Oui, oui, c'est très naturel. C'est très, très naturel. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Corinne, enchantée. Elle a un truc capillaire assez intéressant qui doit dater des années 2000, mais que j'avais oublié. C'est-à-dire qu'elle a les racines oranges. Est-ce que c'était une mode ou est-ce que c'est une rousse qui se l'ignore ou qui essaye de se le cacher et que du coup elle se teint en brune, vénère, et que du coup ça fait ça? Est-ce que ça veut dire que si je me teins en brune et que j'ai les cheveux roux qui repoussent en dessous, je vais avoir les cheveux en feu à la racine et noir aux pointes? Je pense que c'est ça. C'est le soleil. Je pense pas. Ah oui, alors oui, tatouage... des années 90, là. C'est même avant les années 2000. Hein. Les pronostics avant la rencontre. Ah, il va à la next. Pas assez élancé, je pense. Par contre, elle a du matos. Du coup, il peut garder ça un petit moment. Je sais pas. Parce qu'elle a quand même mis un gros décolleté. Mais après, non, je pense que c'est pas assez élancé pour lui. Parce que pour moi, élancé, j'entends sportive, mince, tu vois. J'ai 23 ans. 23 ans. Je t'ai préparé une petite activité aquatique, ça te dit? Allons-y. Ah ouais, non, mais alors... effectivement, vu qu'il a choisi en plus une activité natation, je pense que le mec ne va pas... Enfin, il va se faire plaisir, tu vois. Il va faire déshabiller toutes les meufs, c'est sûr. Hein. Je pense qu'on va tous les voir en maillot. Sinon, bah, quel intérêt, hein? On y va. Il a touché le dos quand même, en mode... Allez, viens, cocotte par ici, je sais pas. Si t'aimes pas trop, tu touches pas généralement. Là, déjà... il est un peu dans sa sphère intime. Sérieusement, s'il kiffe sur elle, c'est que vraiment, il a des soucis. Hein. Ok, d'accord. Donc ça, bah, ça clash derrière. Hein. Oui, 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 les filles sont comme ça. Non, mais peut-être qu'il va vouloir me regarder. Et là, elle est là en mode, tu crois qu'elle va dire sur moi aussi parce qu'il s'y fâche sur moi? Bah du coup, je sais pas ce qu'elles diront, tu vois. Voir ce qu'il y a d'autre dans le bus. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est franchement, il va être moi, je pense que celle qui a le plus de chance, c'est elle. Là, celle qui remet son... Oups. Oups, ça descend. Là, ça va faire, je vois la première. Je suis, ouais, bon, même s'il l'intéresse, il va lui faire, non, mais voilà, t'es bien, mais je suis curieux, tu vois. C'est pas très, très élancé, tout ça, hein, effectivement. Allez, là, je t'ai mouillé, maintenant. Mais c'est possible, hein? Ou alors, c'est vraiment une couleur bizarre, meuf. Tu fais pas ça naturellement si t'es pas rousse de base. Mais elle est blanche comme un cul, on dirait moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez. Oh, je pense que le next est pour bientôt. Oh, le next est pour bientôt, je pense. Mais pourquoi tu la mouilles? Elle va rentrer dans le bus toute mouillée. Ouais, toute mouillée. Allez, allez, je l'ai, mais bon, ça fait circuler le sang comme ça, c'est bon. Tu as fait pisser, Judas Marie? Bah, si. Si, t'en as une, toi? Bah, ouais, chante d'avoir une belle baraque alors. Ouah, la meuf, elle a une belle baraque! Il va la mouiller, et ensuite, next! Tu m'as montré de ces jours? Ouais. Non, mais par contre, elle a quand même. J'arrive pas à me rendre compte par rapport à moi. Donc, je vais pas trop parler. Parce que je trouve qu'elle a quand même masse hanche. Et je pense qu'elle est plus grosse que moi. Mais en fait, il faudrait que je me mette à côté, pourquoi pas. Vous savez l'émission Belle toute nue, là, avec le mec blond un peu gay? Gay complètement, même, hein. Je sais pas pourquoi je dis un peu. Et souvent, bah, les meufs, on pense être d'une certaine manière, et en fait, quand
on se met à côté d'autres meufs, après il te dit bah non, t'es là en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu cette émission. Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, tu sais bien nager. On peut pas juger. Go en maillot, non. On verra. Je me débrouille. Tu te débrouilles? T'as pas peur du vide? Non, ça va. Non, t'es sûr, hein? Ça va. Allez, je t'invite à faire un petit saut là-bas, tu vois, cette marre. Hey, la garde longtemps en vrai. Là, 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 les meufs, elles doivent être très jalouses et tout. Genre, non. Qu'ils soient beaux, grands, intelligents surtout. Mm. Gentils, respectueux, ça c'est très important. Et qui en est dans le caleçon? Ah oui, mais c'est pas... Je dépose les armes. Bon, au moins elle est honnête. Elle, elle vient pour la bite, hein. Ça, voilà. Celle, on sait. En même temps, c'est pas celle qui a le plus d'atouts dans le bus, hein. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que l'autre, elle était là. Ouais, moi, je veux, bon, elle veut le mec parfait. On va pas se mentir. Moi, je veux qu'il soit beau, drôle, intelligent, qu'il m'aime, qu'il pense qu'à moi, qu'il soit fidèle, qu'il soit riche, qu'il ait une belle maison, une belle voiture, un plan d'épargne logement. Enfin, non, une bonne assurance vie aussi. Ça, c'est important. Ouais. Et puis voilà, et qu'il soit assez populaire. Ouais, il faudrait qu'il soit footballeur, genre bien connu comme ça, tout le monde le connaît. Ouais, célèbre, grand, physiquement parfait à mon regard. De ma vie, quoi, en gros, mon âme sœur, voilà. Hein. Et l'autre, elle est là, et qu'il en est dans le caleçon. J'ai un PEL, on baise. Oh putain, JPP, quoi. Bon, non, en vrai, vous dites, ça fait 5 minutes qu'il est avec l'autre, c'est faux. Parce que, déjà, il faut le temps qu'elle descende du bus, je te signale qu'elle a tenu au moins la pause 5 minutes, qu'il parle, quel âge tu as, ok, super. Tu nages? Ok, super. T'as ton maillot de bain? Ok, super. Du coup, on va à la piscine. Il faut se déshabiller. Il faut faire... Ah, oh my God, oh. Et voilà. Ça fait au moins 10-15 minutes sans mentir. Ou elle s'est toujours pas fait next. Tout dans la voix. Mais je pense que la prod coupe les moments, les trajets. Genre, ça rallonge sinon. C'est naze. Exactement. Parce qu'il y en a qui, ouais, non, mais il peut en avoir dans la tête, mais s'il a rien dans le caleçon, puis ça sert à rien, ça sert à rien. Exactement. Ou même s'ils sont beaux, après ils sont tellement débiles. Ouais. Il commence à pleuvoir, je pense qu'on serait mieux dans le nord. Alors là, moi tu me fais ça, mais je te tue. Bah, en fait, non, je pourrais pas te tuer parce que je serais morte noyée avant. Mais comme il est pompier, peut-être il va la sauver. Et une fois qu'il me ressuscite, là je le tue. Je ne sais pas nager, bordel de merde. On fait pas ça aux gens si on sait pas. Enfin si, je sais nager, mais... Je coule. Moi je fais de la brasse coulée. Oh non, non. Pas la mer. Willy. Il faut sauver Willy. C'est pas gentil. Ça fait soir quand même. Ouais, j'ai fait... La pauvre, mais elle est maltraitée. Non mais moi, attends, moi je lui dis non, c'est pas possible mec. Tu m'as pas next, mais là je ne pourrai jamais survivre à tout ça. Mais il reste vachement longtemps avec elle, ça se trouve elle lui plaît de ouf. T'es championne de France de gymnastique. Championne de France de gymnastique. Ouais, de ma catégorie. D'accord, bah tu pourras me faire un beau saut alors là-bas. Ah mais oui, parce que lui aussi on a vu qu'il était un petit peu gymnaste et tout, donc elle lui plaît. Elle lui plaît. Je t'apprendrai à nager, Nao. Ça fait longtemps que j'ai arrêté quand même. Ah, pas d'excuses, championne de France, ça reste quand même. Hein. Championne un jour, championne toujours. Hein. Oh, il va lui demander de faire un saut de l'infini. Elle s'est fait mousser en mode ouais, ouais, j'étais championne de France de gymnastique. Elle va arriver, elle va lui faire une vieille galipette naze. Et du coup, il va dire next. Moi, ma première fois, j'ai pas trop aimé, hein, pas terrible, franchement. Pourquoi? Ça faisait mal. Elle pose la question comme si elle savait pas. C'est pas la question de ça, mais tu vois, je m'attendais à beaucoup mieux pour une première fois. Je sais qu'il était pas puceau, mais à mon avis, je pense qu'il était encore plus puceau que moi. Comment tu peux être plus puceau que puceau? C'est un concept qui m'échappe complètement. Faudra qu'on m'explique. Non, mais Lily, elle a faim. Arrêtez tout. Ils étaient trois, j'ai pas compris. Oh putain, JPP. Je
Non mais il y avait une synchronisation dans cette bombe dans la piscine. Moi je pense que c'est le grand amour, hein. Ils se sont trouvés. Juste avant de me faire ton essai, je vais te faire une petite démonstration, ça te va? Vas-y, comme ça ah, je te regarde. Moi quelque chose de joli, hein, hein. J'ai peur. Quelque chose de joli, hein. Ouais. J'ai rien vu, j'avais les yeux fermés pour pas me prendre tes éclaboussures. À moi ? À toi de me faire quelque chose. Allez, pas peur. 1, 2, 3. On ne voit pas si elle est saine et sauve encore. Ah, le replay. Vous voulez le replay? Oh. Ok. C'est bien parce que c'est vous, hein. Le replay en 0,5. Je sais pas si je peux régler la vitesse. Paramètre vitesse. En 0,25. C'est bon. Oh merde! Hein? J'ai changé de vidéo. Hein? J'ai changé de vidéo. Attendez. Je retrouve. J'ai un peu merdé. Attends, ça va être à elle. Là! C'est bon! C'est bon! On y est! On a trouvé. Heureusement, il y a le chrono pour savoir où on était à peu près arrivé dans la vidéo. C'est parti! Voilà, il dit... Vas-y. Et là, c'est mieux avec le son quand même. Moi, je préfère la vitesse normale. Là il next. Est-ce qu'il next? Il next. Ça va le ventre? Ça va. Désolé mais le saut n'a pas été convaincant. Next. Oh. Puis pour toi. Moi je demande une bonne sauteuse. Une bonne sauteuse, ouais. Tu sais pas de quoi je suis capable. Attention, là c'est le moment où elle se venge. Elle a le Bron qui est en train de partir par-dessous le maillot. Non mais c'est un vrai connard. Putain, il a failli la noyer. Il lui demande de faire des acrobaties de ouf qui pourraient la faire se noyer encore. Et il a next. Même pas, il vient la secourir. Tu m'as traité de mauvaise sauteuse, mais tu m'as pas vu au lit. On n'en demandait pas tant. Pas tant de détails, mademoiselle. Rhabillez-vous. Alors là, les autres, elles vont faire... Wouh, il est comment? Ah, il est trop naze. Ah, il est vraiment beaucoup trop naze. Il sait pas ce qu'il rate, ok? Tous les efforts de Corinne sont tombés à plat à Cynthia de se montrer. Mais tu vois, je trouve que physiquement, par contre, hein, vous êtes là, ouais, c'est un cachalot, blablabla. N'empêche que physiquement, à la télé, à cette époque-là, il passait quand même des meufs qui faisaient que toi, quand tu les regardes, eh ben, tu complexais pas. Tu te disais, au moins, soit je suis normale, soit je suis mieux, et ça, c'est très flatteur, quand même. Enfin, tu vois, il y avait de tout. Ce qu'il n'y a plus maintenant, les meufs, elles sont toutes refaites, elles sont toutes... elles mangent de la salade, le matin, le midi, le soir, voilà. Et... Toi, tu dis, enfin, les jeunes s'identifient à ça. On s'étonne après de l'anorexie, tout ça, mais mettez-nous plus de meufs comme ça, en vrai, sérieux. Très plus persuasive. Ben oui, non mais exactement. Allez, on s'amène là, le train. Le maillot de bain et les talons, c'est d'un classe.
Anne-Laure. Cynthia, c'est à ton tour. Oui. Franchement, je te souhaite bon courage. Parce que pour l'avoir, va falloir que tu te mouilles. J'en suis la preuve vivante. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, ça va, elle est plutôt gentille. Vas-y, un bisou à toi. Bonne chance. Reviens vite quand même, hein. Reviens vite. Oh putain, la personne sur la langue. Ah, ça me sauve, ça, moi j'aime pas. Et oh, il va l'attendre en bas du bus, tu crois? Je sais pas. Mais attention, quel geste sexy va-t-elle faire? Cynthia. J'adore les bus. C'est ma passion. J'ai perdu ma baguette magique. Alors, Cynthia a... Qu'à 20 ans, elle... 20 ans! Elle est très tête en l'air. Elle voudrait rencontrer un coach sexuel et elle est plutôt fière de son corps. Hein? Un coach sexuel? Je n'ai pas bien saisi le concept. Hein? Tu... C'est 50 nuances degrés 2000? Moi, je coach. D'accord. Bon, je pense qu'elle est... C'est pas une meuf hyper humble. Bonjour, Michael. Cynthia. Bah écoute, comme tu peux voir, on est à la piscine. Oui. Alors bah, je vais te demander de te mettre en maillot. D'accord. Prends une petite douche. Là, maintenant, là. Bah oui, là, maintenant, tout de suite. Déshabille-toi. Ouais. D'accord. Bah ouais, tout de suite. Ok. Allez, c'est parti. Alors, il est... Attends, enfin, qu'on se... Mais oh, fantastique, merveilleux, merci bio d'être 20, 29 Finistère, je jette à toi. Qui se sève et bienvenue dans la Nahorde. Bienvenue dans le bus. Super beau. C'est vrai? C'est vrai? Attends. Quoi? C'est la première fois que j'entends une meuf qui vient de se prendre un râteau d'un mec qui dit « Oh, il était trop beau, dommage qu'il m'ait pas choisi. » D'habitude, elle est là, genre « Oh non, il était trop moche, pas du tout mon style, ça pouvait pas le faire. » Il est blanc métis, comment? Alors, il est blanc, mais type méditerranéen, c'est un peu mal de peau, tout ça, super musclé. Mais j'ai hâte d'ouvrir mon cadeau de Noël. Franchement, 100 bits. Je pars manger, c'est des gamins qui s'aiment, je reviens, c'est un défilé de pouf devant Boffman. Et... Non, franchement, il est vraiment super beau, quoi. Elle est bonne, mais ouais, elle est bonne, elle est pas peur, en smooth. Alors, non mais je suis coiffeuse, j'ai passé 5 heures à faire un brushing, mec, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de me demander. T'inquiète, je suis dans le même état que toi. Voilà, elle essaye d'éviter le contact capillaire. Il faut éviter. Allez, super. Elle est pas. C'est bon, je suis complètement mouillée là. Oula, ne sortez pas ça de ton contexte. Oh, splendide, merveilleux, chambre 45 qui se sève. Bienvenue dans la Nord. Qu'est-ce que c'est ce maillot avec une chaîne, genre? C'est un maillot bijou. Est-ce que le collier appartient au maillot également? On ne sait pas. Il va la pousser dans l'eau. Hâte de voir la perruque s'envoler. Ta 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 la 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 la. Ah bah ouais, c'est vrai qu'elle porte une perruque probablement. Je pense qu'on va aller se réchauffer dans le petit bassin. Ça te dit? Ah, dans le petit bassin. Ah, il va pas la pousser alors. Allez, non, on y va. Non. La caméra a pris l'eau. Bien dessiné. Bien foutu, quoi. Sérieux? Petit cul. T'as envie de croquer dedans. Mais t'as été next, meuf. Passe à autre chose maintenant, c'est bon. Comme dans une pomme, quoi. Sérieux? Je veux une nageuse, allez. Allez, dépêche-toi. Donne ce que t'as. C'est quoi, depuis qu'on est dans l'eau, j'ai pas eu le temps de voir bien tes jambes. T'as pas eu le temps de voir mes jambes? Non. Comme tu peux. Voilà. Ses cheveux tiennent très bien. Comment ça? Un petit poirier. Regarde. Mais je... Attends, moi aussi j'aurais demandé d'aller dans le petit bassin, je pense. Beaucoup plus safe. Ah non, je pense pas que c'est possible. Allez, un petit poirier, c'est pas compliqué, je viens de le faire. Non, je vais pas y arriver. Tu vas pas... Merci SkyGhost240 pour le sub. Oh, elle va se faire next, c'est sûr, parce qu'elle veut pas me faire le poirier. Mais là, tu sens qu'elle est pas bien, genre elle a deux doigts de vomir. Genre la natation, ça lui réussit absolument pas. T'es arrivé? Eh bah écoute, pas de poirier, bah tu vas retourner au chaud dans le bus alors. Ok, très bien. Next. J'aime bien le quand même, la meuf elle part en mode. Mats boule une dernière fois, parce que c'est la dernière fois que tu le verras. Mickaël, tu m'as fait aller dans le petit bain. Je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'elle est petite. Il était dans le grand bain tout à l'heure, hein.
Avec toi, peut-être elle était petite, quoi. Dommage qu'elle ait pas fait le porrier parce qu'avec les fesses qu'elle avait, ça aurait fait un beau cocotier. Beauf et raciste en... en une seule phrase, hein. C'était c'était énorme en tout cas. C'était un poète des années 2000. Putain. Cynthia n'a pas... Oh la vache, j'ai pas contente. A fait tourner la tête de Michael. Voyons si Aurélie sera plus convaincante. Oui, Aurélie, moi j'y crois beaucoup. Aurélie, j'y crois beaucoup. Et là, la meuf, elle va halluciner en mode quoi ? Il est resté 20 minutes avec l'autre et toi, il t'a mec déjà ? Meuf ! Alors, ben, je pense que ça va être à toi, chérie. À moi ? Oui ? Bon, bah, les filles. Ah, t'es tout fraîche ! Alors, bon courage ! Bon courage ! Ouh, la pause. Alors, elle, c'est elle. Je mise tous mes espoirs dessus. Elle en sait. Plutôt mignonne, assez naturelle, je sais pas, en fait. On va voir. Quels sont vos pronostics, je sais pas, mais... Je pense qu'il va quand même vouloir... Je pense que c'est un dragueur et tout. Il va quand même vouloir voir ce qu'il y a au-delà du bus. Et puis, j'ai très hâte qu'il rencontre Lily, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais toi-même, tu sais. Aurélie a 19 ans, elle est tombée dans les escaliers de la Tour Eiffel, elle trouve qu'elle ressemble à Eva Mendes et elle adore faire du shopping. Eva Mendes. De loin, avec un chapeau, des lunettes et un gros manteau, peut-être. Voilà. À tous les coups, c'est une meuf qui met des ballerines encore, bah ça c'est sûr. Bonjour. C'est bien dans les cheveux. Elle a déjà enlevé les pompes et tout, elle est prête à aller dans l'eau. Hein. Bien sûr, rejoins-moi. Michael. Ça va ? Oh, il lui prend la main. Oh, le baise-main peut-être ? Ah non, la bite. Ouais, le rapprochement et se fait bien. Envie de se mettre à l'abri. Comment ça, elle ressemble à un orteil ? J'ai tenté de reprendre les cours du live, mais je pense que je vais poser mon cerveau et commenter devant. Merci Théon. Et pas Mendes Lidl. Oui, parce que il fait assez froid. Bon. Je te propose de mettre direct le peignoir, il fait pas très beau. Oh, il va pas l'avoir en maillot du coup, quel dommage. J'ai essayé d'amener le soleil de Toulon, mais bon. Ah, de Toulon ? Ouais, de Toulon. Ouais, moi, j'ai pas ramené le soleil de Nice. De Nice ? Putain, à nous deux, on aurait pu ramener le soleil toute la journée. Et tu t'appelles comment, mais... Michael. D'accord. Et toi ? Aurélie. Aurélie, enchantée, ouais. Aurélie. Mais le feeling passe plutôt pas mal, il se parle avec l'accent du sud, tu vois. Du coup, entre deux sudistes, le courant passe plutôt bien. Aurélie, tiens, j'aime bien ce prénom. Michael. Ouais, j'aime bien ton prénom, mais ça c'est une façon de dire ah, j'aime bien ton prénom, je t'aime bien quoi. Là il est de Toulon. Michael de Toulon et Aurélie de Nice. Et sinon t'aimes quoi dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais de l'animation. Animation ? Animation avec des enfants, la danse, genre c'est une... enfin, je fais l'initiation à la danse. Quel genre de danse ? Danse jazz, rythmé, ouais. Genre Mia Fry. Fais-moi une démo. Voilà, Mia Fry, tout le monde a oublié qui c'était, hein. Mais c'était quand même la meuf de Matarena. Eh ouais. J'espère que tu parles pas comme elle, autrement, tu sais ce qui t'attend, hein. Non, il est charmant, il est mignon, ouais. Mais c'est pas ton style. Voilà, non, c'est pas mon style. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc ? Il y a des blancs qui sont beaux. Ouais. Donc, ça... Pourquoi elle met la gueule de travers, genre on dirait qu'elle est revenue de la piscine avec un AVC, c'est terrible. Rien à voir, oui, ça va un peu, mais non, c'était pas mon style quoi. Tu sais nager ? Je sais nager. C'est pas parce que ah, il a quand même mis en maillot. Ah, ils vont faire la course. Une fille, je vais te laisser gagner. Hein. Tu crois que parce que t'es un mec que les filles savent pas nager ? Et les mecs gagnent toujours. T'es prêt ? Allez, go. Prêt, feu, go. Oh là là ! Elle a fait un vrai plongeon. Et du coup, elle fait de la brasse ? Ah non, elle coule. Ah, je suis pas mal, hein ? Tu fatigues ? Sur le dos ! Ouais, elle a fait 20 mètres, elle est fatiguée. Hein. Elle a loupé son plongeon en réalité, mais ils ont coupé au montage. Vous croyez que ça se passe bien pour elle ? Oui. Vous croyez qu'elle a ses chances ? Possible. Bah... Franchement. Non mais elle se prend là. Elle pour elle est la plus belle du monde. C'est bon, personne peut la concurrencer, donc les autres vont forcément se faire next. Hein. Elle est dans ce mood là. Elle m'énerve d'avance. Chouin 2000. Elle est super jolie, mais moi je dis qu'elle a pas de sein, tu vois, elle a pas de forme. Et alors ?
faut tout pour faire un monde, madame. Sinon, je t'ai plaît. Ah oui, lui, il va pas par quatre chemins. Alors ça, c'est vraiment question piège, parce que c'est là où tu te dis, bah écoute, ouais, je te trouve pas mal, hein. Et puis là, il va te dire, bah moi, je t'aime pas, du coup, next, hein. Et là, s'il fait... il m'a brisé le cœur. Stage. T'as eu beaucoup de chéris dans ta vie? Non. C'était le seul? Pas de gros lèvres. Ouais, de gros amours. Non. De sortir avec un pompe, ça te fait pas peur? Non, non. Oh là là, quand même, la proposition est énorme, hein. Là, moi, je pense qu'il est à fond. Ouais, c'est ma pouline, hein. Ça me fait peur. Écoute, je sais pas, hein. C'est que les pompes, ils ont souvent une réputation... Oh oui, je confirme. Pas mal la peine d'en dire plus. Le mec pas sérieux, pas stable... Non, c'est pas une réputation, en fait, c'est vrai. C'est... Oh. Non, mais je savais pas. C'est ce qu'on dit, c'est Léon dit. Faut pas faire une généralité. Ah bah non, faut pas généraliser. Tu passes pas du tout dans une émission comme ça, comme celle-ci, non. Tu serais pas du tout le genre de mec qui aurait eu Tinder si ça avait existé à cette époque. Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, on leur dit déshabillez-vous parce que comme l'autre bah, va finir le rendez-vous avec lui, on vous verra pas en maillot. Du coup, la production demande à ce qu'on vous voit en maillot. Hein, pourquoi sinon faire un striptease dans un bus, ça n'a aucun sens. Waouh. Oh là 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 là. Mais non, 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 non. Ah, cette paire de zboob. Mes yeux. Tu me suis place. Allez, ça a coupé, on n'a pas vu. Je vais finir 100% gay après cette de ce boob, elle a dit. Bah oui, c'est de boobies, mais en espèce de verlan. Non, c'est pas une bite. Quoi, c'est une bite? C'est vrai? Je sais pas. Non. 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 C'est pas sa baleine. C'est la baleine. Tu veux la baleine blanche? C'est pas sérieux. Non, mais non. On est sur Twitch, monsieur. La télé peut, Twitch ne peut pas. Que font 5 filles dans un bus? Elles se trémoussent. Sous l'outil. Ah. Non mais là, par contre, la baleine blanche, un rendez-vous de type romantique, c'est tout sauf romantique. Hein. C'est tout sauf une brochette de marshmallow. C'est tout sauf romantique, ne faites pas ça chez vous, hein. Si jamais vous êtes en date plutôt sympa avec une meuf à la piscine, ne faites pas du zouloutier. Hein. Ça... Ou alors, j'espère que vous êtes en couple depuis extrêmement longtemps avec cette personne. Ah, je me demandais ce que c'était le truc qui bougeait derrière, ici même présentement. Moi, je croyais que presque ça, ce n'était qu'une seule et une même personne, en fait. Non ! C'est un bide suivi d'un cul. Bah écoute, Aurélie, ça fait 19 minutes qu'on est ensemble. Je te laisse le choix entre prendre 19 euros ou alors accepter un second rendez-vous avec moi. Oh, oh, il a choisi Aurélie ! Est-ce que je vous avais pas dit oui ? Waouh, 2 euros ! Twitch, c'est pas nous, SVP, pas n'est pas. Et oui, le boob, c'est le sexe masculin, mais je pense pas, à l'époque, on disait boob, je sais pas. Va-t-elle dire oui ? Oh ! Ou alors elle le next, ce serait terrible. 19 euros, c'est quand même un resto, merde. Oh, on connaît pas. Petit cul. T'as envie de croquer dedans comme dans une pomme, quoi. Aurélie, tiens, non, j'aime bien ce prénom. Michael de Toulon et Aurélie de Nice. Allez, go. Prêt, go. Ça se trouve, c'est beau, ils sont toujours ensemble depuis. Tu veux la baleine blanche ? Non ! Non, vous voulez pas le revoir ! Pourquoi vous remontrez ça ? Je vais refuser, je vais prendre les sous. Quoi ? Alors là, je suis sur le cul, quoi. Ça aurait été 900 euros, bon, j'aurais dit... D'accord. Mais là, 19 euros contre une vie humaine.
Elle avait besoin de sous. Merde. Oh non, il est attendant sa virilité, c'est sûr. La baleine a coulé. Je répète, la baleine a coulé. T'es super gentil, super sympa. Je suis sûre que tu trouveras la femme de ta vie. Tu crois? Ouais. Bah, si tu le dis, j'espère que je finirai pas seule alors. Non, je pense pas. Tant pis pour toi. Désolée. Y'a pas de quoi. Je dois repartir à l'autre bout de la piscine. Je me suis rendu compte qu'avec ma bouée, c'était chiant. Du coup, je la lâche. Mickaël, c'est bien Mimi, mais c'est trop bouffon pour moi. Trop bouffon. J'aime bien. Mais ça avait l'air d'être une fille intelligente. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. T'as refusé le second rendez-vous, mais une place au soleil avec moi, ça se refuse pas. Touché coulé pour Mickaël. Il ne s'y attendait pas, mais Aurélie l'a envoyé barbote. Et du coup, les deux autres, voilà pourquoi on leur a dit de se mettre en maillot, évidemment, parce que sinon on ne les aurait pas vus. T'es ailleurs. Et toute la production de l'émission repose là-dessus. Bien sûr. L'autre, elle va être grave deg de pas l'avoir vue, genre. Alors, t'as pris les sous? J'ai pris les sous. J'ai cherché une sirène, je suis tombé que sur des temps. Oh, oh quel mytho! Quel mytho! Mickaël, talent, tu peux la garder dans le caleçon. Next! Oh MDR! Bon, eh, on a le temps de se regarder en suivant. Si je ne m'abuse. J'avais cliqué par inadvertance. Attends, je regarde le nombre de vues, c'est ça qui est important.